bilan de l'activité Canara qui est déroulée dans le parc de Port-au-Prince. Jacques de la Fontaine, le monsieur, côté lui-même, accompagné de responsables différents qui sont impliqués dans l'organisation carnaval national là, et dans Port-au-Prince, pour présenter un bilan de l'activité. Parmi les entités, nous avons le ministère de la Santé publique et la population. Haïti sous route changement, c'était thème carnaval qui s'est déroulé 11, 12 et 13 février dans la cour Port-au-Prince ce week-end dernier. Il y a une pile disposition qui était prise, qui était bâillée en carnaval zéro mort. Journée aujourd'hui là, nous avons avec nous là, tout acteur qui était participé dans le carnaval là, qui là qui pourra faire un bilan de l'activité. Avant que moi introduis acteur ça, je vais passer ministre communication, culture et communication qui pourra introduire membre ça là. Monsieur le ministre. Monsieur le Premier ministre, docteur Jacques-Guy Lafontaine, mesdames, messieurs les ministres, les directeurs généraux, la presse parlée, écrite, télévisée, on salue nous tous et encore une fois merci le fait que nous répondons présents à l'invitation que le gouvernement les fait nous. Nous saluons Radio Télé-Guinée, Radio Télévision Nationale qui est en direct là. Nous tous nous connaissons ça qui rassemble nous, c'est pour nous faire un bilan partiel de grande manifestation culturelle ça, qui c'est carnaval, qui était déroulé sous thème Haïti sous route changement. C'est avec un pile plaisir que nous comptons, gouvernement comptons pour lui faire un bilan partiel de grande activité culturelle ça, qui était vraiment porté succès pour la population haïtienne. Nous gagnons d'abord DG Lapin, qui est directeur général ministère culture et qui était vice-président comité national là, qui vient pour prendre la parole et qui va parler autour de deux organismes de concentrer qui sous tutelle ministère de la culture et communication, donc Théâtre national et ethnologie, bureau ethnologie. Nous gagnons en même temps ministre tourisme. Nous gagnons ministre haïtien vivant à l'étranger. Nous gagnons protection civile. Nous gagnons ministre santé qui là qui prend la parole. Nous gagnons sécurité publique et justice en même temps qui prend la parole. À la fin, nous gagnons Premier ministre là, qui a placé dernier mois. Donc, c'est avec un peu de plaisir que monsieur le directeur général et vice-président du comité que nous passons. Merci et bonjour tout le monde. Et je dis à moi là, dans la conférence, ça a fait un bilan partiel de l'activité carnaval là, et moi j'ai gagné un double chapeau. Moi j'ai un chapeau vice-président comité carnaval là, et moi j'ai chapeau directeur général ministère culture et communication, côté que l'état gouvernement lui-même était impliqué dans affaire carnaval, dans sécurité urgence et secours, hein, et on parti dans artistique carnaval là. Donc c'était responsabilité de l'état et finance. Bien entendu, financement carnaval là, il part en main des comités carnaval là qui lui-même qui dégaine des personnages qui partent dans le système là. Et c'était une façon pour l'État lui-même de contrôler le financement carnaval là et pour ne aller dans le discours que le gouvernement gagne plus que 6 mois, que l'a fait passer dans la population.
c'est train de vie de l'État. Donc, au point de vue participation au ministère lui-même, en tant que une bras technique et l'État dans les affaires carnaval, nous avons une délégation avec deux institutions techniques dans les affaires carnaval, c'était le Bureau national d'ethnologie avec le Théâtre national. Nous avons tout profité et utilisé la présence là presque là pour nous adresser compliments nous avec deux directeurs généraux ça, qui eux-mêmes ont répondu à l'appel à 100% et que la population a apprécié et partie artistique et qui était dans le carnaval ça. Donc nous connaissons un pile d'interrogation sur le déroulement du carnaval là. Donc je dis et bilan ça qu'a fait là là qui sont bilan partiel Jean DG Calvin Sodili, c'est un bilan des institutions étatiques qui ont participé dans le carnaval. Donc le comité carnaval là lui-même qui prend une petite vacances après toute fatigue qu'elle déprend, parce que d'ici lundi, nous pourrons retourner à la charge, côté que nous portons réponse avec toute interrogation qui a circulé dans la population sur ça qui était passé bien et qui ça qui était passé mal, particulièrement les problèmes qui étaient gagnés au niveau des logistiques. Donc, moi, passé dans une huitaine de jours, comité carnaval là après convoquer la presse et pour les capables de venir expliquer tout ça qui méritait une réponse. Donc au point de vue finance, objectif que nous avons fixé nous depuis au début carnaval là, un carnaval sans dette et jusqu'à présent nous dans les chiffres, m'a rappelé tout le monde notre travail sur un budget prévisionnel de 186 250 000 gourdes pour nous financer carnaval dans tout le pays. Et bien entendu, tout côté qui gagne une tradition carnaval, nous avons chiffré jusqu'à présent, gagné des activités qui étaient financées à 100%, tant que les groupes musicaux, oui, tous les groupes musicaux recevoir subvention qui doivent recevoir de l'État à 100%. Les compagnies de sonorisation nous ont financé à 70% parce que c'est la loi qui m'a dénoncé pour ne pas payer à 100% parce que c'est des entreprises qui fiscalement gagnent redevance envers la DGI. Donc dans les prochains 8 jours, nous avons mesure pour nous capables de balance là. Nous gagnons activité artistique et dans le carnaval là. Qui ont même financé déjà 90%, gagnons leur 10% de financement que nous allons faire d'ici lundi, entre lundi et mercredi prochain. Nous gagnons des chars musicaux qui nous étaient à la disposition du groupe musical. Financement fait déjà et à 100%. Donc, en gros, là, nous prenons 4 actions. Qui c'est 4 actions que nous pas qui c'est carnaval en lui-même en termes de groupes musicaux et sonorisation et artistique. Moi pensé au point de vue financement que nous répondons avec objectif que nous te baille tête nous. Donc n'abridil encore et que carnaval ça année ça suivant instruction gouvernement te baille son carnaval sans dette. Moi, capable de dire, j'ai l'habitude de dire que c'est 12 mois après qu'il y a payé le monde dans le carnaval. Donc, avec le gouvernement, ça, et sous instruction que le président de la République a débattu, que le premier ministre qui était toujours accompagné nous dans toute démarche économique que nous avons fait pour nous financer le carnaval là. Donc, encore une fois, je m'a répété encore. Carnaval là, avant carnaval sans dette pour l'État. Merci. C'est un gros succès pour l'État parce que chaque fois que carnaval finit, il y a une équipe dette qui était dans le ministère là. Donc, en ça, l'État a décidé de faire un carnaval sans dette et d'arriver à l'objectif premier ça que nous avons fixé. Tête-nous. Donc, maintenant, on a fait place par le ministre tourisme. Qui va parler non, de multiples touristes qui est arrivé entrer
en dans pays a que hôtel yo te surchargé. Merci. Bonjour à tout le monde, bonjour amis la presse. On nous connaît que le carnaval c'est un plus gros événement culturel, mais à vocation touristique qui vient dans le pays. Hein. Et tout le monde toujours a demandé qui chiffre, qui fait. Et tout à l'heure, déjà, là, on fait parler de carnaval dans nos papes qui étaient dettes. Et moi-même, dans le bilan, pour année ça, moi, je crois que le carnaval c'est un plus gros succès qui gagne. Et c'est grâce à toute l'équipe là que nous avons gardé nous. Et ça ne peut nous pas ouvrir tout qui fait le carnaval un succès. Les succès pour qui raison? Surtout dans le secteur économique, le secteur côté que touristes lui-même participent là-dedans. Succès, parce que l'on a regardé les chiffres, surtout au niveau des chambres d'hôtel, m'a annoncé certains chiffres de taux d'occupation. Au niveau de Port-au-Prince, on a eu près de 88% de taux d'occupation. Pétionville, près de 76%. CACA, ça veut dire la Côte des Orgadins, près de 90%. Jacmel, 65%. Cap-Haïtien, 70%. Et nous avons l'hôtel Tourne qui est au niveau du sud et jusqu'à Moël Saint-Nicolas qui est affiché complet. Donc, mais ce n'est pas seulement pour nous, hôtel seulement qui gagne au niveau du secteur touristique. Là, si nous regardons par exemple stand, côté nous avons près de 175 places de stand. Soit évaluer tout chiffre ça, yo, capable en moyenne que vous avez près de 20 000 personnes qui étaient sous stand. Nous avons fait calcul ça, nous regardons nous que si en moyenne 20 000 personnes ça dépense près de 200 à 500 gouttes par jour. Et sous 3 jours, là, il y a 30 millions de gouttes. Donc, quand on parle non seulement que le rapporté l'État, mais le rapporté aussi le secteur privé en tout. Le rapporté tout, par exemple, sur le site touristique, nous avons regardé que pendant la période, pendant le week-end, là, samedi, dimanche, lundi, mardi, et pour qu'il soit national, on recevait près de 3 000 visiteurs, dont 2 610 haïtiens et 300 et 290 étrangers. Donc, pour nous-mêmes, le carnaval, c'est un succès, c'est vrai, que nous sommes capables de rapporter beaucoup plus, mais nous vivons tout, trop dans l'informel. Pour qui ça me dit, par exemple, peut-être dans une année, nous n'avons pas réfléchi à qui côté premier côté qui bénéficie du carnaval. Par exemple, sous paille, côté que c'est là qui vend tout tissu pour troupes de danse, pour chants allégoriques, pour tout côté ça. Et nous regardons que c'est le premier côté en réalité qui bénéficie du carnaval. De retomber le carnaval dans tout, parce que tout le monde est obligé d'aller là. On regarde les mêmes bandes, les mêmes chants et allégoriques, les mêmes chants et musicaux. Tout le monde sait, par exemple, on prend jazz, tant que jazz, tout petit vice et créole là et tout. On regarde les quantités de drapeaux que vous avez fait. Et c'est près d'un millier à deux milliers de drapeaux que vous avez fait. Et on regarde toute l'industrie, toute couturier, on a un cap travail et tout. Donc vraiment, le carnaval, c'est un événement vraiment culturel, mais à vocation touristique, mais qui bénéficie en pile du secteur économique. Pour les retombées, je crois que le ministre de l'Intérieur a ça aussi, et c'est au niveau aussi du transport. Allons dire qu'on a reçu près de 15 000 passagers partant du 30 janvier au 11 février. Donc, nous ne pouvons pas dire que tout le monde s'est rentré spécialement pour le carnaval, non, mais si nous avons fait statistique, nous sommes capables de mettre des chiffres, par exemple, allons dire que 45% de monde s'est rentré pour la période carnaval. Non. Donc, nous avons déjà imaginé ce que la douane, directement, l'aéroport, pardon, ce que l'aéroport lui-même déjà prend au niveau de taxes de monde qui a rentré. Donc, ça, c'est retour direct que l'État a gagné. Donc, de ce fait, nous-mêmes, notre travail, nous avons réalisé tout ça, toutes les failles. Et les côtés positifs aussi que le carnaval n'a gagné. C'est vrai que moi, je reçois plusieurs journalistes qui t'a posé une question pour comment le carnaval n'est capable de rapporter nous beaucoup plus au niveau du pays, parce que nous avons des chiffres des autres pays aussi qui organisent ce carnaval. Mais cependant, notre travail vraiment et nous avons joué en façon pour d'ici que l'année prochaine, qu'avec un coût minimaliste que nous sommes capables d'investir au niveau du carnaval, le carnaval est capable de rapporter nous entre 15 à 20 millions de dollars américains. Donc merci encore. Maintenant, on a fait place à Madame la ministre des Haïtiens vivant à l'étranger. Bonjour tout le monde, la presse. Merci peut-être nous faire déplacement en grand nombre pour nous répondre à l'appel. Alors, même moi, je vais parler pour le ministère des Haïtiens vivant à l'étranger. Côté avec l'aide du service d'immigration et d'immigration de l'aéroport, nous gagnons en total de nous faire une statistique.
15 jours, parce que les gens ne savent pas jouer au carnaval là, ils viennent bien préalablement, ils achètent des billets, ils viennent. Alors, si nous avons dit du 30 janvier au 14 février 2018, le nombre de vols au total, c'est environ 315 vols. Et haïtiens, que ce soit haïtiens d'origine, enfin, monde d'origine haïtienne ou étrangers d'origine haïtienne qui rentrent pendant le nombre de temps, ça a dit à 17 021. Là, on a regardé pour étrangers seulement, ça veut dire monde qui n'a pas un passeport haïtien et qui n'a pas d'origine haïtienne, il est monté à un total de 11 639 étrangers pendant 15 jours ça, qui viennent participer à l'activité. Ça. Ça nous fait au total, si nous regardons tout, aéroport de Cap-Haïtien, excusez-moi, pour Cap-Haïtien, déjà, nous avons au total de 1853 passagers au total, ça veut dire si nous prenons haïtien qui c'est 436 monde en fait de nationalité haïtienne et monde qui gagne pas qui d'origine haïtienne mais qui gagne notre passeport c'est 670. Ça veut dire au total nous ouais c'est 1853 passagers qui passaient par aéroport au Cap. Si nous ajoutons avec tout le monde qui vient pendant la période ça, du 30 janvier au 14 février dans tous les deux aéroports, nous avons un bilan de 53 243 personnes pendant la période ça, qui viennent participer dans le carnaval. Je pense que c'est un chiffre qui est important et Jean-Ministre Touriste a so dit, imaginez-nous, chaque grain de monde, participation par eux, en moyenne, on dit qu'on dépense 1000 gouttes par jour, n'a pour eux qui rentabilité vraiment que ça portait pour l'État. Je pense que la presse est capable d'analyser chiffre ça, Jean-Ministre a te dit là, que ce soit sur différents stands, que ce soit sur stand noté fait pour diaspora personnellement qui te enjoy li, et toute l'autre diaspora, l'autre étranger qui te sous béton, je pense que ça c'est une belle réussite et ministre santé en tout, pour côté par il va bay bilan que le gouvernement a réalisé pendant la période carnaval. C'est toute une équipe. C'est l'harmonisation qui gagne entre nous, entre tout ministère qui fait sous leadership Premier ministre avec le président Jovenel Moïse que nous avons dit que nous sommes fiers que carnaval ça, Haïti sous changement définitivement, ça nous montre nous sommes changement tout le monde. Merci. Maintenant, c'est le ministre intérieur là qui va prendre la parole. Bonjour PM, bonjour tous les collègues ministres Mayo, et bonjour secrétaire d'État, bonjour DG, bonjour nos amis la presse. Aujourd'hui, c'est comme plusieurs casquettes que j'ai plaisir de présenter devant nous pour nous parler de bilan carnaval là. C'est plutôt comme casquette responsable coordonnateur intelligence sécurité dans le carnaval là et tout comme on volait dans ce cours là que collègue moi ministre santé a été coordonné lui-même santé urgence et secours à travers protection civile tant que Jean secrétaire d'état à la sécurité publique là t'es annoncé dans dernier dans point de presse conjoint que nous t'ai fait côté t'ai toute entité qui te vient parler et de dispositions que tu as prises dans le carnaval là, eh bien, toutes dispositions que tu as prises ont été respectées. C'est-à-dire, tu as un command center qui est établi dans le ministère intérieur. Côté, tu as annoncé, tu as plusieurs caméras, on dit exactement 28, qui sont établies un peu partout dans le carnaval là. Et tu as un service tout de drone, avion aérien qui prend photo et vidéo en temps réel sur tout, pendant toute période carnavalesque là, sur tout parcours là. Donc ça me croit que il vaut la peine pour nous préciser son grande première. Oui, habitué à surveillance caméra, mais pour drone c'est une grande première. Donc je dis hein, vraiment et nous comptons Jean grosso modo carnaval là déroulé. Nous comptons ouais ambiance, belle ambiance de fraternité ça
qui te gagne entre haïtiennes et haïtiens. Côté tout le monde tape joui tranquillement, sans gros violence. Ce collègue, moi, ministre de Santé, a parlé puis devant de chiffres, etc., de problèmes qui te gagnent. Mais après, grosso modo, tout résumé pour nous, ce n'est pas dans rien de majeur. Pas de gros incidents. Et surtout, m'a mette en phase ça. Sous zéro mort là. Je dis, année ça, pas de aucun mort qui était recensé. Et ça, il faut que nous insistions sur lui. Et ce n'est pas comme ça arrivé, c'est vraiment grâce à toute équipe là. Toute équipe là, que je voulais saluer. Police nationale d'Haïti, qui vraiment font un travail extraordinaire. Je voulais saluer l'équipe secrétaire d'État à la sécurité publique là. Je voulais saluer l'équipe délégation départementale de l'Ouest là. Nous voulons saluer l'équipe ministère intérieur. Nous voulons saluer l'équipe protection civile là, qui vraiment équipe et brigadier ministère jeunesse sport et tout l'autre acteur. Si nous avons cité, vraiment, nous n'avons pas fini. Le ministre de la Santé, je pense, va compléter pour moi, parce que nous avons un brigadier tout dans l'équipe port. Donc, vraiment, et qui était fait de carnaval, ça, sur le plan sécuritaire, vraiment, un gros succès. Et, pour me finir, je voulais tout saluer encore une fois, courage, à dynamisme, directeur protection civile, là, à toute équipe, là, parce que nous avons plus que 500 brigadiers réparti pendant 3 jours sous air et festivité. Côté justement, il était impliqué depuis dans inspection stand, inspection et chariot et certainement dans déroulement, accompagnement, foule là avec chariot pendant 3 jours. Donc encore une fois, et une opportunité pour me saluer tout le monde qui est intervenu d'une façon ou d'une autre dans le carnaval là, et certainement carnavalier, yo, haïtien, haïtienne, yo, qui t'es amusé, défoulé pendant 3 jours grâce à eux dans la fraternité. Merci. On a fait place par le ministre de la Santé publique. Merci, ministre. Je salue tout auditeur, tout téléspectateur qui suivent l'émission ça directement ou qui parle bien pour entendre l'émission ça. Et je salue la presse. Année ça, j'en ai annoncé là, prise en charge, urgence et secours est faite à travers un comité national d'urgence et de secours qui était sous le haut patronage de la première dame et présidé par le ministère de la Santé publique et de la population. Objectif comité national d'urgence, c'était assurer la mise en place des postes médicaux, définir une stratégie de prise en charge des urgences médicales et réaliser une surveillance épidémiologique. Comité national d'urgence et de secours, c'est gagné là-dedans différentes entités qui en général ont intervenu dans l'urgence à secours au niveau carnaval. Donc, le comité ça a été formé du bureau de la Première Dame, de l'OFATMA, de la Croix-Rouge haïtienne, de l'OAVCT, de la PNH, de la Sécurité publique, de la mairie de Port-au-Prince, du ministère de la Jeunesse et des Sports, du ministère des Affaires Sociales, du ministère de l'Intérieur, plus particulièrement la DPC, du ministère de la Justice, de la Croix-Rouge haïtienne et de 2 compagnies d'ambulances privées, IWO et SAM. Et m'a profité de Tribune SAM pour remercier tout le monde qui a participé dans le comité SAM et qui a rendu le travail nous plus facile. Donc, qui bilan nous gagne, qui ça nous a gagné à disposition non, pour nous être capables de prendre en charge secours, urgence et secours dans le carnaval. Non. Nous avons gagné 23 ambulances mobilisées, plus de 200 secouristes,
une centaine de médecins, une centaine d'infirmières, 10 psychologues, des agents de l'IBERS. Nous avons gagné plus de 1000 brigadiers, brigadiers de la protection civile, brigadiers de la mairie de Port-au-Prince, brigadiers de la délégation de l'Ouest, brigadiers de la sécurité publique. Donc c'était ressources que nous avons gagné disponibles. Et nous avons gagné 13 postes médicaux sur tout parcours là, qui étaient identifiés, je suppose, la presse Téwel, par des pancartes vertes qui étaient dit urgence médicale, urgence médicale en créole. Donc, qui ça que nous avons gagné comme passage dans le PMA Sayo? Nous avons reçu 877 personnes qui étaient passées dans le PMA Sayo. Et bonne nouvelle là, c'est que 760 personnes dans 877 personnes ont reçu soins immédiatement, soit ils ont retourné sous parcours carnaval là, ou bien retourné la caillou. Et nous avons gagné 35% de personnes qui ont passé sous PMA, ils ont passé pour difficultés respiratoires. Nous connaissons que les gens en foule ont une crise de panique que ça n'a pas causé. Grand pile de monde là dans foule, yo pas ka respirer, grand pile de monde qui asthmatique qui là arrivé dans foule tout, yo fait crise d'asthme, pas ka respirer. Donc 35% de passage ça de monde qui était passé dans PMA, yo té gagné difficulté respiratoire. Reste monde yo té gagné à 90% des traumas mineurs qui était pris en charge au niveau des postes médicaux. Nous té gagné deux types de postes médicaux. Postes médicalisés avec des ambulances dans les postes fixes, deux ambulances par poste avec un médecin, infirmière, secouriste dans l'ambulance. Et puis nous avons gagné trois postes médicaux avancés, dont celui qui était coiffé par la première dame, qui était poste médical avancé niveau 1. Donc, nous répétons encore 877 passages. 760 personnes, traitement immédiat et renvoyé à la maison. 35% de monde, difficulté respiratoire. Reste monio, te gagné des traumas mineurs. Une autre nouveauté, c'est que sous stand première dame, te gagné des agents de l'IBERS qui t'a recevoir Timoun qui t'a égaré sous parcours carnaval. Te gagné 9 Timoun qui était égaré sous parcours carnaval là, mais que ont réussi à remettre à parents grâce aux agents de l'IBERS. Donc en gros, c'est le bilan des urgences, le bilan partiel des urgences et secours pour le carnaval 2018. La fait place maintenant by sécurité publique et justice. Bonjour PM, bonjour tout un collègue dans le gouvernement, bonjour à tous les amis de la presse qui l'a eu, je salue tous les auditeurs et auditrices et spectateurs qui suivent la conférence de presse là. Il était important pour me signaler que prise en charge carnaval, ça n'a pas tombé à l'idée facile. Li simple, parce que quand on l'a fait dans le même espace là, depuis des années, il y a plus de monde qui vivent pour le prince. Donc, nous sommes obligés de mettre un système en place pour nous assurer que tout le bagage passe bien. Grâce à ce que nous mettons en place là, et que comme la police a été parlé avec nous, nous avons réussi à mettre en pratique tout ça que nous avons annoncé. Nous travaillons à tous les niveaux. Nous commençons depuis la supervision char, stand, tout de suite sur chaîne Mazda, net. Et nous avons très collaboré avec la structure de secours que nous n'avons pas coiffé. Et nous avons ça comme résultat. La police a mobilisé plus de 1000 policiers seulement pour l'espace chaîne Mazda. Et nous avons fait un travail en mouvement pour les policiers qui travaillent, les policiers qui sont en repos, qui pour prendre la relève, qui pour accompagner la population, les pas entrer la caille.
On a innové, j'ai un ministère de l'Intérieur, on a un poste de commande dans le ministère de l'Intérieur, on a 6 drones, 28 caméras, et la police a 2 drones même qui ont détecté le métal. La police fait un travail impeccable pour nous contenir tout le monde qui a fêté pendant 3 jours. À 0, au moins c'est un record par rapport à ça qu'on gagne. Et finalement, nous avons plusieurs brigadiers qui sont là, et non seulement nous avons un poste de commandement à l'intérieur, et puis nous avons un poste dans le bureau CDV qui a pris un appel et qui a intervenu à temps réel pour poser la solution. Donc la police lui-même, en gros, il a fait environ 65 personnes qui ont été interpellées. 16 premiers jours là, 20 deuxième jours là et 29 troisième jours là. Donc 10 gardés à vue dimanche gras, 6 gardés à vue lundi et 6 gardés à vue mardi gras, 6 derniers matin, il y a des ferrières de vaccination, il y a des paquet. Donc encore une fois, vous remercie tout le système, non, tout brigade, tout le monde, gouvernement, le comité de travail, aider nous faire. Ça a comme travail, un travail colossal. Et en plus, je remercie tout le diaspora qui est rentré et aussi surtout les Haïtiens qui, à mon avis, c'est plus que 1,3 million de monde qui étaient dans la cap fêté. Et puis, il n'y a rien de grave qui arrivait. Bien entendu, avec secours que nous portons pour eux, avec encadrement. Donc, je pense que c'est un exploit que nous faisons. Nous offrons tout ça de capable à la population. Vous avez bien une réussite carnaval à Nisa. Merci. Bonjour PM, bonjour ministre, bonjour directeur général Kilayo, bonjour les amis de la presse. Et nous contents parce que nous gagnons possibilité pour nous capables d'expliquer à la population via la presse le niveau et le pourquoi et la participation du paquet des Port-au-Prince dans l'activité carnaval qui était gagné dans l'année 2018. Là. Je vais commencer pour me répéter une phrase que le Premier ministre a dit. En Haïti, nous avons une puissance culturelle. Et moi-même, je dis que le carnaval, c'est une manifestation de puissance culturelle que nous avons en Haïti. Et la puissance culturelle, ça a l'immense appui de tout secteur qui permettent pour réaliser et réussir. Nous gagnons l'élite politique là qui s'est représentée par l'État surtout, l'élite économique là, qui a appuyé l'activité carnaval 2018 là. Nous gagnons l'opinion publique là qui est représentée par la presse, qui a appuyé avec présence la presse. Nous gagnons en troisième lieu la population qui a participé en si grand nombre et qui a appuyé le tout pour carnaval ça. Donc, puisque nous sommes parlé de l'élite politique et économique, nous-mêmes nous situons dans l'élite politique qui c'est l'État, sous instruction président de la République, là, premier ministre, là, le ministre de la Justice, paquet Port-au-Prince, représenté par le commissaire gouvernement, te prend des dispositions. Parmi les dispositions, c'était mobiliser et gagner, ça nous capable de en présence intensifiée des permanences paquet pendant 3 jours grave. Effectivement, ça t'est fait. Il était accompagné des sécurités publiques, il était accompagné de la police nationale d'Haïti, surtout avec direction départementale de l'Ouest de la police nationale d'Haïti. Paquet à travers permanence, il était recensé, ça nous relève 65 interpellations avec la police. Là, nous dit 65 interpellations. Pour nous permettre compréhension population, hein, c'est ça nous relève 65 arrestations. Maintenant, Jean, toute autorité au dit déjà, dans l'évaluation qui fait, nous pas gagné mort. Donc nous pas gagné tout des gros crimes qui commettent pendant la période carnaval là. Si ce n'est que dans l'analyse que nous fait des dossiers qui présentés devant nous, nous gagnons des cas qui qualifiés de contraventions et des cas qui qualifiés de correction, ça nous capable de les infractions correctionnelles, qui c'est délit. Actuellement, dossier ça yo déjà déposé au bureau commissaire gouvernement. Nous commençons à faire analyse là-dedans. Gagnent des mounes
que nous avons étudié le dossier et nous rendons compte qu'il n'est pas nécessaire puisque l'action qui est opposée n'est pas qualifiée de crime, n'est pas qualifiée de délit, n'est pas qualifiée de contravention. Il faut que nous te permettions d'entrer la caillou. Nous faisons. Actuellement, les gens qui sont venus, c'est des gens qui continuent à analyser, examiner le dossier pour nous voir comment nous devons orienter la caillou et étudier ce que nous devons faire pour eux. Puisque le carnaval là, est réalisé suite à la décision d'État. Décision d'État qui s'est liée. Pendant 3 jours carnaval là, décision que tu prends, tout permis pour dame est révoqué. Il faut que les gens commencent à comprendre ça dans la population. Les nous disent, permis pour dame de révoquer, ça veut dire que personne n'est autorisé pour être capable de circuler dans l'air carnaval là et surtout nous disons tout, même dans l'environnement avec Zamsou. Automatiquement, ou tu as Zamsou, quand tu as permis pour lui, permis ça n'est pas existé dans 3 jours carnaval là, donc ou te gen temps gagné ou tomber dans ça capable briller détention illégale d'armes à feu, il est obligé poursuivre pour ça parce qu'on pas respecté en décision d'État. En même temps, il n'a pas fait carnaval pendant qu'on vient participer pour faire agression verbale et physique sur le monde, automatiquement tomber dans cas comme ça, donc ou obligé directement en affaire avec la justice pénale. Justement, présence intensifiée par KEA te permet non seulement d'éviter, ça veut dire de faire ça en prévention, en dissuasion, en même temps, tout le monde qui te dépasse ce cadre-là, nous obligé de faire chemin judiciaire avec vous. C'est pour ça que KEA est présent. Donc d'abord, nous remercions la population, hein, parce que vous comprenez, nous avons fait expérience là. Il y a des côtés qui m'arrivent avec mon permanence paquet. Une fois que mon n'était pas comportement de l'ouel, ou est tout de suite il était très comporté et il était tellement apprécié le fait qu'il était présence paquet. En même temps, à chaque fois gagné forme d'activité ça yo, population dans la rue, paquet a toujours présent pour faire travailler sous l'ordre et premier ministre là. Eh bien, nous remercions la presse d'abord pour participation, yo. Nous remercions la population, hein. Nous remercions tout l'État au plus haut niveau qui te permet jeudi à nous capaler, nous évaluer et nous dire début, activité, déroulement, réalisation, pour ne pas dire réussite carnaval 2018. Là. Merci beaucoup. C'est avec un pile plaisir que la introduit chef gouvernement. Premier ministre, Dr. Jacques-Guy Lafontaine. Salut tout le monde à la Ronde Badet, la presse, télévisée, station radio, la presse écrite. Salut tout le monde. Commissaire du gouvernement, Sodi Haïti. Son puissance culturelle, m'a rectifié. Haïti son grande puissance culturelle, je veux dire. Pourquoi ça Haïti son grande puissance culturelle? Toute œuvre que nous avons produite, Haïti son peuple qui est créateur. Regardez, œuvre artistique, peinture, sculpture, musique, poésie. Nous étonnons l'humanité par création que nous-mêmes nous faisons. Et je pense que nous sommes vivre des moments en Haïti. Au niveau de carnaval changement. Carnaval changement, c'est pas seulement pour Port-au-Prince, il était tout partout dans le pays. Bien sûr, carnaval national, il fait Port-au-Prince, mais songez que nous avons carnaval Jacmel, carnaval Gonaïve, au Cap, carnaval, dans le plateau central, Mibale, carnaval, Saint-Marc, carnaval, c'est tout côté dans le pays, en folle liberté, ou en amètre, carnaval, Jérémy, carnaval, je vais citer tout net, parce que liste est longue. Et chaque côté, ça, c'est pour nous, ouais, couleur qui gagne, chorégraphie qui gagne, création musicale qui gagne. Donc, c'est vraiment en ambiance côté haïtien, haïtienne. Tout le monde est là, ils mettent tête ensemble pour fêter dans la paix, la discipline. C'est le moment tout, côté que tout peuple
côté riche, côté pauvre, côté rouge, côté noir, tout le monde ensemble sous béton. Mais m'a raconté peut-être deux petites histoires. Moi rencontré un premier ami. Là moi rencontré monsieur me dit "Oh, et pas ici." Monsieur dit "Ça fait 40 ans que pas jamais rentré dans le pays." Mais Jean louait que bagaille a pillé nouvelle que le temps des Jean Mounio amusé dans la paix en décembre. Donc il dit comme ça que il prend décision, il rentre en Haïti. Même dit comme ça que c'est quand tout son zombie qui goûte sel, il gagne pour le retourner dans le pays. Il dit comme ça, il n'a pas jamais pensé que le David prend une retraite en Haïti. Il dit, Kounia, je la recherche de petits biens que parents me gagnent pour moi si je suis bâti en caille pour me faire une retraite dans le pays. C'est là que je montre que nous, le carnaval dans son bail qui est positif. Pour l'autre exemple, je rencontre un ami collègue, un médecin, je suis rentré en Haïti. Mais dernière fois que j'étais en Haïti, c'est après internal, après service social. Je ne vais pas dire nous qui année, je dis grand monde. Mais après service social, je suis quitté l'année. Je rencontre M. dans le carnaval avec petite, deux petites filles que j'ai gagnées. Et puis, moi, deux l'autre petite blanche qui avait. Je dis comment? Et pas qu'on gagne deux petits blancs. Il dit non, c'est un petit monde qui est américain. Les petits gens qui vivent en Haïti, et puis ils font recherche sur Internet, ils disent que ça, ils ont aimé venir découvrir le pays. Je profite de l'occasion pour remercier nous-mêmes la presse, remercier Caméra nous. Parce que c'est grâce à Caméra nous que nous projetons l'image de pays. Parce que en pile fois, qui ça a montré d'Haïti, c'est Fatra a montré. Qui ça a montré d'Haïti, c'est Yon a tué l'autre. Qui ça a montré en Haïti, c'est misère à montrer. Tandis que nous avons pile bagaille. Ça a montré peut-être représenter 2, 3, 4, 5% de pays. L'on allé dans l'arrière-pays, on a regardé les chutes d'eau, on a regardé les plages, on a regardé les rivières, on a regardé les mondes. Laisse ça, on dit quête. Nous un bel pays. Et question que nous-mêmes nous avons posé, nous, quand il y a deux fois, étrangers ont l'air mes pays en plus, passé nous. Moi, profiter de l'occasion pour remercier tout le monde qui est intervenu dans l'organisation Carnaval. D'abord, le comité national qui fait un travail, n'est-ce pas vrai, côté que lui mettait ambiance dans, non seulement à Port-au-Prince, mais au niveau des différents départements. Nous allons remercier tout de façon spéciale comité la mairie de Port-au-Prince. Et c'est une occasion quand même pour me féliciter le maire de Port-au-Prince. Non. Parce que Haïtiens toujours aimé division. Ils ont toujours aimé autorité au parentant. Eh bien, le président de la République, là, il est maire de Port-au-Prince. Non. N'est-ce pas vrai? Pichita avec nous. Et puis, maire dit comme ça que nous mettons nous ensemble pour nous offrir un beau spectacle à la population pour l'instant parce que nous méritons ça. Pas de ying-hang entre le gouvernement et la mairie de Port-au-Prince. Nous allons remercier le gouvernement qui est là. Parce que, bien que il y a un comité carnaval, gouvernement impliqué, n'est-ce pas vrai, dans sa totalité dans l'activité ça. Et chaque ministère dans ça qui concerne. Profitez pour me dire, non, ce n'est pas seulement pour le carnaval là, que tout gouvernement ensemble, mais dans toute grosse activité qui a fait. Vous voulez parler par exemple, 1er janvier. Vous voulez parler par exemple, 18 mai qui va le fête là. Nous lançons 18 mai depuis au mois de décembre. Côté que chaque mois, nous avons une réunion. Non seulement nous faisons réunion ici pour Port-au-Prince, mais nous allons nous chita avec l'autorité Villa Caye, côté que nous chita avec eux pour nous organiser 18 mai. Nous parlons de la veille, ni 2 semaines, 3 semaines avant, pour nous organiser l'événement.
17 octobre, 1er novembre et décembre, 18 novembre, tout gros fête, n'est-ce pas vrai, tout gros événement, yo, nous prenons le temps pour nous organiser. Déjà, je n'ai pas annoncé nous que nous allons faire un inventaire de tout ça qui était fait avec recommandation. Et quel que soit le comité carnaval qui gagne pour le Cavini, nous avons déjà gagné les recommandations pour nous gagner un plus bel carnaval encore l'année prochaine, n'est-ce pas vrai? Parce que nous avons utilisé l'erreur du passé pour nous capables mieux nous organiser dans le futur. Nous avons remercié tout l'équipe sécurité. Non seulement sécurité publique, ministère de l'Intérieur, même d'arrêter remercier d'une façon spéciale la police nationale. Je voulais parler de commandement la police, non, le directeur général de la police, qui implique et à chaque fois que moi-même, moi en dans foule, là, m'a monté descendre, moi ouais déjà en tout en dans foule, là, qu'a monté descendre. Comme disons que sans crainte, moi-même ni dimanche pour le carnaval, ni pendant le carnaval, là, marché dans tout parcours à pied, sans aucun souci, n'est-ce pas vrai, d'insécurité, de monde qui pral et bon, déjà fait venir. Ah non, c'est DDO qui fait venir là. Moi, t'as aimé remercier aussi la direction départementale de l'Ouest et le directeur départemental de l'Ouest qui dédoublé avec les différentes unités de la police pour assurer sécurité ça. C'est pas ton bagage qui est facile. On remerciement par les policières et policiers. Ils travaillent presque 24 heures sur 24. Côté que tout le monde a pas amusé, eux-mêmes, ils ont, n'est-ce pas vrai, assuré sécurité. Je ne vais pas aller sans remercier nous-mêmes de la presse. C'est nous-mêmes qui mis au pays. C'est nous-mêmes, n'est-ce pas vrai, grâce à nous-mêmes, moi, ouais, belle image qui sortit au Cap Haïtien. Image ça va aller de tous côtés. Côté les m'a partagé image ça avec moun qui à l'étranger, yo dim est-ce que c'est Trinidad, yo dim est-ce que c'est Brésil, me dit oh non, c'est Haïti. Me dit oh non, c'est Haïti chéri nous. Donc moi merci à tout le monde. Moi dit nous thème carnaval là, c'est Haïti sous route changement. Mais changement li sous nous changement à privé, nous connaissons que d'ici 4 ans, bah, la plus belle, parce que Haïti a bien plus de 4000 km de route, n'a bien électricité 24 sur 24 au niveau des grandes villes et même au niveau de sections communales. Peuple dans le côté lié, n'a bien si l'ampli, si lampe solaire, n'a bien de l'eau 24 sur 24, n'est-ce pas vrai? N'a bien beaucoup plus d'arbres dans le pays. Hein? Nous avons beaucoup plus de salles de classe dans le pays. Hein? 12 000 nouvelles salles de classe. Nous avons plus de centres de santé. 123 centres de santé au niveau des différentes sections communales. Et puis des centres de santé avec lui dans les différentes communes qui pourront avoir un centre de santé avec lui. Donc, tout bagaille ça, la possible, c'est pour nous mettre tête nous ensemble. Pour nous pas seulement. N'est-ce pas vrai, yon a joué l'autre, yon a baillé l'autre coup de couteau dans l'eau, mais nous tous nous mettons tête nous ensemble pour l'autre Haïti, parce que on l'autre Haïti a pris naissance. Merci beaucoup. Merci. Merci BM. À présent, nous arrivons dans le stade, côté que nous parlons de question. Nous avons 4 questions. Et question ça, on a bien chaque a bien maximum 2 volets. Ok, on a pris 4 questions. Oui, et pas faire capitulation, c'est un pile correction, un pile innovation, un pile nouveauté, zéro dette, zéro mort, mais nous n'avons pas prendre zéro question, parce que suivant l'ISLA, on a commencé avec Métropole, donc on forma déjà présentation, médias, et puis non, et puis question directe sur question carnaval. Métropole, qu'est-ce qu'il y a,
On a commencé avec deux et Transaro d'abord. Merci, bonjour. Moi c'est Éloge Milforme, je travaille pour Radio et Télévision Métropole. Gouvernement tiré un bilan positif de l'organisation carnaval là, pour l'année 2018 là. Naturellement, majorité chiffres qui évoquaient là eux, surtout servi de retombée par rapport à ce que nous avons souhaité, notamment de point de vue touristique, économique, tout ça. Premier ministre a signalé que Haïti, c'est une grande puissance culturelle. Et justement, le carnaval lui servit de vitrine côté que gouvernement bien Haïti est capable de vendre un potentiel touristique. Li, mais si nous parlons de réussite pour le carnaval là, est-ce que nous sommes capables de dire que côté touristique, en fait, côté culturel, carnaval là est véritablement réussi? Est-ce que nous avons dit ça? L'on considérait quantité de problèmes d'organisation qui étaient gagnés, particulièrement de point de vue logistique et aussi et organisationnel. Ça a tout mené ma deuxième volet question maintenant qui dit que en pile monde souhaitait que carnaval là t'a gagné un comité permanent qui pour gérer lui. Est-ce que gouvernement, tout au moins, comment gouvernement comprend une proposition ça et est-ce que il est en train justement entrer dans la démarche là? Merci. Bon, un verre qui gagne de l'eau qui doit être moitié plein ou bien moitié vide. Nous-mêmes, nous sommes moitié plein. Oui, moi je dis encore, dans le carnaval, il y a une pile couleur la dernière. Je pense que des ouvertures carnaval, là, n'a pas que le tout règne, tout roi, ils ont été réunis dans le palais national, ou après chaque uniforme qui fait sur mesure, c'est pas mal à l'acheter dans le magasin, chaque uniforme qui fait, chaque tenue qui fait sur mesure, et chaque jour ils changent de tenue, chaque tenue, ça, ce sont des œuvres d'art. Et ça, nous allons parler de puissance culturelle là. Il suffit qu'on vire tête ou à sous côté kay voisin, etc. Gardez uniforme que moun yo gagne. Gardez uniforme que. Gardez tenue que ren yo gagne, que wan yo gagne. Et laisse à ou même ou ap tirer conclusion. Moun yasi m'ap gade, par exemple, les troupes folkloriques qui participaient dans le carnaval. Ça, c'est une grosse innovation liée. Il a commencé il y a quelques années. Mais chaque année, l'a amélioré et toujours une place pour amélioration. Je regarde, par exemple, troupe théâtre national, troupe bureau national d'ethnologie. Tout ça, ce sont des chorégraphies. Et les map gade, tout le monde déplace les pieds en même temps. Il n'y a pas rien à envier à des troupes de danse. N'est-ce pas vrai, d'autres pays. Et me pensais qu'au fur et à mesure, nous avons amélioré, au fur et à mesure, nous allons présenter un produit qui est beaucoup plus fini. Si je regarde des productions musicales, c'est mon moment dans l'année, hein, côté qu'on ait plus de productions musicales qui fait. Je ne vais pas parler seulement de jazz, yo, mais si je regarde des troupes qui à pied, yo, Gampil qui pas même fait partie de concours de circuit carnaval, mais qui font production de musique. Donc tout ça, c'est création. Et peut-être ça me parlait de culture, là. Et peut-être ça me parlait de Haïti, son puissance culturelle. Maintenant, en ce qui concerne l'organisation, en ce qui concerne la logistique, n'est-ce pas vrai? Toujours il y a place pour une amélioration. Et comme je dis tout à l'heure, nous pouvons aller faire un inventaire de toutes ces erreurs qui étaient gagnées, n'est-ce pas vrai, en termes de logistique, en termes de, par exemple, char qui était pris temps pour y avancer, pour nous voir qui ça qui était fait que nous avons un problème ça, yo. Et puis l'année prochaine, nous avons présenté un produit qui finit, un produit que nous tous n'a pas aidé nous vendre tout, parce que c'est payer nous avant tout, n'est-ce pas vrai? Et bon bagaille peut-être, il y a parlé de chambre d'hôtel, etc. Mais c'est un moment côté qu'on a plus d'activité économique qui fait dans le pays en tout.
Parce que ce n'est pas seulement hôtel, ce n'est pas seulement restaurant, ce n'est pas seulement lien aérien. Mais vous avez tout petit machin qui est dans la rue. Vous avez même monsieur qui a fait parking, hein, place 250 gouttes, 500 gouttes. N'est-ce pas vrai? Ça veut dire que ça a pile de monde qui font un petit cop dans le carnaval. Donc c'est une façon pour me garder nous, vraiment, son grande activité culturelle, mais qui a des retombées positives, n'est-ce pas vrai, sur l'économie noire. Surtout au niveau, n'est-ce pas vrai, de différentes couches de population, nous sortis depuis sous sac pi barré, sous sac pi haut, et puis sous touristes, nous en tout, côté que son investissement lié dans le futur, parce que nous avons occasion pour nous vendre on l'autre image de pays, nous, pas une image côté un caoutchouc à bouler, pas une image côté youn à parler l'autre mal, pas une image côté ces fatra seulement qui gagne, pas une image côté que. Son pays qui a kidnapping, qui a insécurité, mais son pays, côté que haïtienne, haïtien, yon ka mette tête yon ensemble pour yon fêter dans la paix, la discipline, n'est-ce pas vrai? Et puis, sur route changement. Merci. Ma prochaine avec, qu'est-ce qu'il y a? Nous saluons notre qui là, dans le cadre de conférence partielle pour bilan ça. Et, bon deuxième aspect sous comité permanent, on ne peut pas répondre de question ça. Parce que nous disons ça que nous allons faire un inventaire de situation et nous allons faire des recommandations. Merci. Non pas M. Vladimir Maurice Ridoré, je travaille pour Radio Télé Kiskeya. Moi, saluer nous pour la conférence bilan partiel ça. Moi, j'ai deux questions que moi voulais poser. Première question là, c'est que DG Lapin a été fait office de vice-président du comité carnaval là. Dans dimanche pour le carnaval SEO, tu as deux DJ que ont été sanctionnés parce que tu as dit des mots qui auraient moun pas qu'attendre. Qui ça qui expliquait que pendant trois jours carnaval là, nous-mêmes présents, toute autorité, puis au niveau de l'État, nous là, nous avons gardé un groupe qui a performé, côté que c'est tout mot sale qui vient dans la bouche que tu as utilisé en bas de nous comme autorité. Deuxième aspect question maintenant. Premier ministre, nous mettons plus l'accent sur l'image que nous avons projetée, une bonne image pour Haïti. C'est vrai, si nous avons projeté une bonne image, félicitations. Mais du coup, après le carnaval, il y a toujours même artiste qui t'a dit toute qualité moussale là, lui, selon un petit citoyen, défier l'autorité de l'État, lui prend une autre direction avec Charlie, qui représente un gros problème pour la sécurité publique, ou même comme Premier ministre. Et qui fait office de chef de CSPN, qui s'en capable de dire population à Jodia, qui a pile question à poser sur l'État, l'État dans le pays. Merci. DG ou DG? Merci pour le questionnement. Je me rappelle que dimanche pré-carnaval est sûr, il n'y a pas de sous-responsabilité. Gestion pré-carnaval est là, pas de sous-responsabilité comité carnaval là. C'était la mairie de Port-au-Prince qui avait une responsabilité ça. Et carnaval national là, l'État fait de concert avec et la mairie de Port-au-Prince. Je me rappelle autour depuis la première intervention, je suis donc là et avec d'autres chapeaux, le vice-président du comité carnaval national là et directeur général du ministère de la Culture. Donc, et comité a gagné pour reprendre le travail rapidement. Côté que nous gagnons pour nous convoquer la presse dans le cadre d'une conférence de presse pour nous capables de pour ton réponse à tout ça que le public, la presse, est considéré comme étant une anomalie dans le déroulement du carnaval. Donc, on a patience, c'est dans une huitaine de jours. N'a pas gagné réponse à tout ça qui était passé en dans carnaval ça. Donc c'est ton comité qui t'est fait, sinon on prend arrêté hein, qui t'est gagné chaque monde des responsabilités et chaque monde gagne une fonction. Donc c'est tout rapport ça que nous allons mettre ensemble pour nous capables de partager avec la presse dans une huitaine de jours. Merci. Bon, bien que moi, tous deux vos les questions là, les intéressés ont seul artiste, je vais
et plutôt par le ministre de la Culture là, répondre à la question ça. Mais ça comme d'ailleurs, dis-nous quand même, son carnaval inclusif que nous avons fait à Nessa. Côté que, n'est-ce pas vrai, tout le monde te la donne. Tout le monde te la donne, quelle que soit l'idéologie politique. Par exemple, nous avons dit que nous avons carnaval, nous avons posé une question, nous avons dit pour qui ça ou dit out boy. Pendant le carnaval, nous avons dit que ça sont décision comité. Mais nous-mêmes, si c'est une question de COP, nous prêts pour nous financer, faire le jeune COP pour le sortir dans le carnaval. Elle était sortie et l'animer tout le monde. Ça qui est bien important pour nous, c'est l'ambiance qui était gagnée sous champ de Mastan. Côté que tout le monde, quel que soit le groupe, nan, n'est-ce pas vrai, tout le monde était là, que le groupe à pied, que c'est le groupe qui compte, que c'est l'autre groupe, mais tout le monde était là. Dénominateur commun qui s'alteye le ça, c'était ambiance qui gagnait sous champ de Mastan. Donc, je vais passer le microphone dans le ministre de la Culture là, qui a élaboré sous la question ça qu'on se pose. Kounia, il va répondre à la question. Donc, merci, Premier ministre. Nous, chaque là, nous connaissons que c'est un grand événement culturel que carnaval allié et événement ça nous pas capable de faire dans exclusion Jean premier ministre dit tout le monde la donne parce que changement ça que l'état livré fait là il pas capable fait pendant que n'a exclu monde parce que chaque haïtien capable porter contribution dans développement durable pays et dans quel que soit secteur donc nous chaque qui là nous connaît que rôle l'État, c'est protéger et servir, accompagner. Et population, l'hypothèse appartenance li à yon musicien, à tel catégorie de musicien y attaché. Et pour moi, ça, c'est un moment de défoulement que lié. Et peuple, socialement parlant, li décide en accord avec tel musicien pour yon manifester. Et c'est yon moment où yon nan anéa pour yon faire ça. Eh bien, peuple là, la police pas capable d'aller en face peuple là, idem tout peuple là pas capable d'aller en face la police. Donc, yo décidé manifester cœur content yo, la joie yo et jusqu'à ce que yo arrive satisfait. Donc, nous croyons dans la paix, dans la tranquillité, dans la sécurité, yo arrive faire ça et c'était yo vraiment yo réussite pour population haïtienne qui était décidé défouler yo. Et nous chaque qui là nous connaît que au niveau sécurité l'état de prend toute disposition et puis pour sécurité c'est que nous t'ai décidé pour pas gagner au monde qui mourit et pas gagner aucun monde qui rive mourir. Moi quoi que la presse li doit parler, li doit vulgariser, li doit faire tout mode l'état doit connaître que il y a deux risques dans carnaval 2018 là. Moi, je viens de ministère avec tête carnaval 2016-2017. Année ça, sous leadership président de la République, son excellence, M. Jovenel Moïse, chef gouvernement, premier ministre, Dr. Jacques Guy Lafontaine, eh bien, pas de tête dans le carnaval 2018 là. Donc, nous devons dire ça, et avec responsables financiers qui font un travail sérieux de chez la paix, et félicitations. Et deuxième bail, nous devons éterniser nous là-dedans, c'est que pas de monde qui mourit. Donc nous croyons que nous devons vendre ça, nous devons vendre le pays pour plus de tourisme capable d'arriver à entrer dans le pays. Et laisser Haïti a tourné une source économique pour, parce que les gens pas peur à Haïti. Si il y a plus de 1 million de monde, 1 500 000 monde dans la rue, eh bien nous n'arrivons pas à gagner aucun monde mourir. La presse doit éterniser le sous ça. Et nous arrivons à faire un carnaval sans dette parce que nous travaillons pour Haïti. Avancer au niveau économique. Et gestion ça, elle est faite grâce à leadership premier ministre. Donc, moi, je crois que nous devons éterniser nous, sur côté positif, que nous restons à faire détail. Parce que la presse qui c'est un secteur d'éducation, qui a une bonne population, moi, je crois que je dis, nous devons vendre ça positif pour le pays et pour nous capables de dire, nous contribuer dans le développement durable pays que l'État ça la vendre. Merci.
passé. Et pour l'instant, tu parlais de questions d'inclusion et par souci d'inclusion, on a enchaîné avec Radio Télé Nationale d'Haïti et puis Radio Télé Guinée suivant le disque que je viens maintenant. Moi, c'est John Herbie Castellus, je travaille pour la Télévision Nationale d'Haïti. Question par maintenant, c'est pour vice-président et comité national là. Et il y a environ 21 groupes qui ont dû participer dans le carnaval là. Tu as participé dans le carnaval national là. Mais pendant le parcours, il y a une série de groupes qui n'ont pas fini de faire tout le parcours. Selon eux, c'est un petit problème de planification. Nous-mêmes, nous avons gagné mots et comité sur qui ça a gagné, qui a fait que les groupes ne sont pas arrivés à faire tout le parcours. Et liste carnaval et les groupes nous ont dit que tu as sorti, que tu n'as pas respecté. Nous avons une petite explication sur les problèmes. Tout pour Guinée, pour nous, on enchaîne. Bonsoir tout le monde, mon nom c'est Emilias Noxon, un journaliste Radio-Télé Guinée. Question pas maintenant, c'est pour principalement secrétaire d'État, sécurité publique là, puisque il y a avancé des chiffres sur question d'interpellation qui fait au niveau 3 jours au carnaval là, mais nous avons gagné quelques chefs d'accusation sur question 65 interpellations ça. Et puis parmi 65 interpellations ça, est-ce que c'est seulement civils ou encore des policiers qui t'a enfreint mesure qui t'a annoncé? Merci. DG Lapin. Merci. Effectivement, question sont posées, il y a un rapport à responsabilité comité carnaval national. Je me rappelle que je vous dit tout à l'heure, nous avons gagné un arrêté que je conseillé nous à regarder côté chaque monde a gagné une fonction en arrêté. Oui, il y a des problèmes de logistique et des problèmes logistiques ça y cause que tous 21 groupes musicaux ne pas passé chaque jour. Mais en fin de compte, il y a passé un jour, il y a passé deux et il y a tout qui passé trois jours. Il faut que nous sommes d'accord avec ça. Mais il faut que nous disions tout et qu'on réflexion six semaines à l'avance qui t'a fait sur participation de 15 groupes musicaux et les décisions fin prend pour y ajouter 6 autres groupes. Donc dans tant qu'elle prend, ça a posé un problème de planification au point de vue logistique. Faut que nous d'accord tout Jean secrétaire d'État sécurité publique la sorte d'Ili gagné une évaluation qui était faite des quantités monde qui est capable de participer dans le carnaval. Je dis à l'enquête qui vient pour mener, est-ce que tout le monde dans le département de l'Ouest est venu dans le carnaval là? Je dis tout le monde dans le département de l'Ouest, je l'ai dit l'Ouest là jusqu'à Tigouave, parce que c'est là l'Ouest là fini. Moi, l'Ouest là tout jusqu'à Cabaret, jusqu'à quoi des bouquets, parce que nous sommes d'accord, tu as un pile. En pile monde qui était participé dans le carnaval là. Donc moi-même, moi j'étais obligé d'impliquer dans l'opération carnaval là, de retrouver tout le temps sur parcours pour m'aider pour chariot capable d'avancer. Et le plus souvent, chariot pas qu'à avancer, c'est parce que mon yo campé devant chariot, pas de moyens pour chariot avancer. Et ça t'a évité tout. Que bien blessé, généralement dans le carnaval, toujours bien blessé qui causé par chariot qu'on a avancé avec agressivité, nous avons des pieds cassés, nous avons des motos, qui c'est ça. Donc, comment pour mettre et chaque monde a responsabilité à travailler pour faire rapport de responsabilité que nous-mêmes nous allons résumer. À partir des missions que le comité a été gagné et n'a convoqué la presse dans une huitaine de jours pour nous capables partager tout problème qui a été gagné et proposer des solutions tout à tout problème qui a été gagné dans le carnaval ça qui soit passé. Merci. Donc, nous répondons pour
question par rapport au groupe Suite Mickey qui, en fin de parcours, t'es regressé, rebousser chemin pour que l'été, parce que le groupe là, nous t'es gagné heureusement et malheureusement, un chanteur populaire qui c'est ancien président de la République qui arrivait en fin de parcours dans la zone faculté de médecine. Moi-même, comme directeur départemental, j'ai reçu instruction de directeur général là pour que Charla est arrivé sous stade et que vous le campez. Et naturellement, la police n'est pas même obligée de camper Char, puisque tu as gagné un blocage à cause de chariot qui pour être capable d'entrer dans le stade. Il faut nous connaître un pile Char. Musicaux, en pile char allégorique et tout à rentrer au stade. Donc naturellement, tu as un blocus qui créait et que des chauffeurs de char qui pas de katan, qui t'ont déposé chariot et allé avec tête camion. Donc pratiquement, le groupe là n'a pas qu'à avancer sous portail Léogane. Donc instruction DGA est exécutée et à un moment donné, un groupe là t'es campé d'Elko, pas de guinçon encore. Mais t'es gain au début de manifestation de supporters et musiciens t'es là parce que président, ancien président t'es annoncé que le Cafou. Donc t'es gain on monté de nervement de groupe yo. Ce qui fait que à un moment donné nous avons été bloqués pour nous-mêmes comme direction départementale. C'est que parcours là, ni fini, ni bouclé, mais sous influence de foule qui était là, hein, des milliers de monde, donc à un moment donné, il y a une manœuvre qui fait, il a déplacé le groupe électrogène et char fait marche arrière. Donc, direction départementale là, tu prends disposition, côté que des véhicules de police, déplacé en un niveau faculté de droit. Hein, nous bloquer la route là. Mais il faut que nous disions foule ça, foule immense ça qui était là, ils ont levé la machine de police. Ils ont débarré la route là. À ce moment, comme directeur départemental, nous avons une instruction pour que Char ne descende pas. Il ne descend pas effectivement, mais Char rebousse le chemin. Donc, il n'a pas de quoi avec nous, environ 7h du matin, et moi-même, nous là pour nous exécuter l'instruction supérieure hiérarchique. Non. Donc, il était difficile pour nous entrer en contact avec la supérieure hiérarchique. Non. Et conformément à règlement yo, et doctrine institutionnelle là, moi j'ai avec moi manuel de directeur départemental là, qui est même dans page 35, qui fait de délégué départemental là, le responsable de la police administrative dans son département. Il dispose pour exercer son action de l'ensemble des services qui concourent à la sécurité publique. Le directeur départemental de la police occupe une place centrale comme conseiller du délégué départemental en la matière. Donc, délégué départemental là, t'es sous place. Moi, je n'ai pas de cas référé à supérieur immédiat. Moi, prends contact avec elle, il était sous place. Et vu quantité de monde et niveau de fervescence qui était gagné, il était conseiller, eh bien, là, je vais parler avec le président chanteur là. Pour que l'est capable de dissuader pour ne pas le carrefour. Et parallèlement, nous continuons sur route là, nous-mêmes, étant donné que nous avons plusieurs autres voies d'évacuation qui étaient faites, donc nous-mêmes, nous avons fait un barrage au niveau du commissariat de Martissant. Heureusement, délégué a utilisé le leadership li, et arrivé avant cette Bernadette, donc groupe là, tu as décidé de camper devant lui-même, nous n'avons pas eu aucun incident, donc pas oublier la police, nous là, pour nous accompagner la population, pour nous servir et protéger. Il y a un peu de critique qu'a fait, mais il a pis mal pour l'image pays. Et nous, en tant que responsables, nous prenons responsabilité, nous prenons mesures qui, pendant le souterrain, qui étaient nécessaires. Et effectivement, groupe Suite Mickey était campé, dit pas à le carrefour. Et nous avons tout porté au démenti à des informations qu'a véhiculé pour dire des policiers de l'USGPN étaient affrontés avec policiers qui dépendent de commandement. C'est archi faux. L'ancien président, conformément à la loi, est disposé d'agents de sécurité USP et USGPN
comme tout ancien président, il était un policier qui était sous Chavel, à aucun moment, il n'a pas fait aucune intervention. Donc, barrage que nous avons fait à Machinio, ces populations étaient déplacées. Merci beaucoup. Merci tout le monde et merci à toute station de télévision qui était en direct. Merci à Télévision Nationale d'Haïti, à Télévision et Téléguinée, à ensemble de médias qui étaient en direct. C'est un plaisir pour nous recueillir aujourd'hui dans la première conférence de presse dans la résidence officielle là et toute première conférence de presse qui parlait de bilan partiel Carnaval National. Merci à tous et à toutes et puis à la prochaine. Amis des spectateurs de télévision nationale d'Haïti, nous souhaitons suivre le gouvernement qui souhaite présenter un bilan partiel de...